Tem razão. Tem razão que jogo loto de novo. Deux fois par semaine à 20h devant son poste. En attendant le miracle. Le jackpot. Ah, je le vois bien, lui et Sarita. La chair de poule devant la télé. Les poils qui s'hérissent, regardant valdinguer les boules dans tous les sens. En parlant de boules, t'as des nouvelles de Martha? Le jour où il joue pas, il se prend les 6 numéros. Et le complémentaire? Pas de pour le Chino. Pas revu depuis. Il doit avoir honte. Paraîtrait que Larita demanderait le divorce. Je la comprends. Tu crois qu'il va se remettre au jeu? Au fait, t'as payé le concierge? Samedi demain. Je suis fait jeter. Quoi? Au boulot. M'ont viré. T'ont viré. Crise. C'est ce que j'ai compris, je crois. Pas l'air de te déranger. Je vais trouver autre chose. Bosse dur. Trouver du taf. Cherche. Quoi ça? Une caille. Pas au boulot. T'as vu les deux Miss Univers là-bas? T'as vu ces deux ploucs de province? Où ça? Ah ouais. On peut leur demander à eux. Vous avez du feu? Feu. 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 Ils sont cons ou quoi? Laisse tomber. Ils parlent pas français. Du feu.
Il est où? Toi qui l'as, non? Non, c'est toi. Voilà. T'avais dit. Vous êtes français? Origine espagnole, de maman. Sud de l'Espagne. Vous êtes flic? Flic? Plus envie de fumer? Bizarre. On ferme. Excusez-nous, mais on a un train pour l'Italie demain matin. Il n'y a plus aucun bus pour se rendre à la gare. Est-ce que vous pouvez nous accompagner jusqu'à la gare? Où? À la gare. Pourquoi? À la gare. Vous pouvez nous amener jusqu'à la gare? Comment? En voiture. Vous avez pas de voiture? Non. Ah. On habite là. Tout petit chez nous. Tiens. Cherche mes canaux. Marque urgent. Il doit être urgent. Tu dois y aller. On m'a déjà vu toucher une voiture. La ferraille, c'est pas mon truc. J'ai une tête de ferrailleur. Je vais reprendre les poésies. On va pas recommencer avec ça. Je veux réécrire. Jamais rien écrit. Jaloux. Tiens, encore aux gens. Plombier. Merde. Y'a rien dans ton canard. Pas d'avenir, pas de poésie. Déjà vu une rubrique cherche poète, urgent? Jamais. Je commence cette nuit. Je vais me coucher. On bosse demain. Il me faut un stylo. Vous avez un stylo? Hein? Un stylo? Non.
On vous laisse allonger un moment. Vous avez une couverture? Non. Ah. Vous pouvez dormir là. Comment? Où ça? Ici. Je vais pas vous manger. Fumer. J'ai un peu d'herbe. Ne dites pas à Claudio, il veut pas que je fume. Vous fumez pas. Vous avez raison. Faudrait que j'arrête. Ça va? Oui. Quoi ton nom? Mon nom? Gisèle. Et vous? Felipe. Pardon. Pardon, désolé. Fatigué. J'espère que vous gonflez pas. Je m'appelle Carolina. C'est quoi que vous écrivez? Vous pouvez me dire? Moi aussi j'aime la poésie. C'est rare d'avoir la chance de rencontrer un poète. Hein? Je disais que j'aime beaucoup la poésie. À l'école, j'avais toujours A en récitation. Je suis jamais allé à l'école. J'aime pas boire tout seul. Tenez. Oui, c'est quoi? Pur, t'inquiète. Rien de chimique ici. % fait main par Gino. Gino? Pauvre Gino. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je peux pas te dire. Ah. Je comprends. C'est vrai que vous êtes jamais allé à l'école? C'est triste pour un enfant. Vous trouvez? Oui. Mais qu'est-ce qu'on s'est bien marré. Vous jouez au loto? Quoi? Bon.
une heure. Voilà. Tenez pour votre gentillesse et votre hospitalité. Je voudrais prendre une photo de vous. Déjà parti à l'étranger, Claudio? Non, pourquoi ?